difficile, hein, mais bon, j'y vais, je pense qu'on va gérer quand même. Je pense que ça va faire. Je pense que là, tout le monde est chaud, nous on est chaud, ça va être super. Puis c'est notre promo en plus, donc on fait ça pour eux. Voilà. Au nom de la compagnie Midnight, j'ai le plaisir de vous accueillir à bord de ce paquebot pour une croisière inoubliable de 3 ans. Les parrains et marins seront présents sur le pont principal pour vous épauler durant votre voyage. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour solliciter leur conseil avisé. L'ensemble du corps enseignant situé sur le pont avant s'engage à vous fournir une croisière de qualité rythmée par divers projets et stages. Vous l'aurez compris, la compagnie Minance a tout mis en œuvre pour vous faire vivre un moment inoubliable. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons à tous un agréable voyage. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui, ensemble, pour marquer la fin de 3 années inoubliables pour nos jeunes diplômés. Mesdames, messieurs, chers diplômés, c'est un immense honneur de déclarer ouverte cette 21e cérémonie de remise des diplômes de l'École des Mines de Nantes. Comme vous le savez sûrement tous, nous sommes sur le point d'accueillir sur scène la dernière promotion diplômée de l'histoire de l'École des Mines de Nantes. Rassurez-vous, ce n'est pas tout à fait la fin de cette aventure. L'École des Mines, c'est jamais fini. C'est pour cela qu'existe Alumni. Nous vous demandons d'accueillir chaleureusement son président Alexandre Follot, accompagné d'Alexandra Oliveira. Le réseau Alumni, mais c'est qui, c'est quoi au juste? L'association s'appellera IMT Atlantique Alumni, et ce sera la plus grosse association d'anciens élèves de l'Institut Multilécole. Cool! C'est pas tout ça, mais il y a nos petits fous qui vont refroidir, alors je vous propose de laisser la place au discours d'Alvoral. Bravo à tous! Bravo. Vous allez commencer votre vie professionnelle avec de très bonnes bases, hein, qui sont celles qu'on a cherché à vous donner à l'école. Et vous allez la poursuivre par la carrière que vous aurez choisie. N'oubliez pas qu'on a cherché à vous transmettre à l'école une capacité à comprendre ces enjeux, à vous poser des questions. Et savoir toujours questionner ce que l'on voit, c'est un point qui me semble vraiment essentiel. Voilà mes quelques messages que je voulais passer à la dernière promotion de l'École des Mines de Nantes. Donc un seul mot pour conclure mes propos. Félicitations. Bonne journée, bien chargé. À partir du 1er janvier 2017, l'École des Mines de Nantes se marie avec Télécom Bretagne pour donner naissance à une des plus importantes écoles d'ingénieurs françaises, IMT Atlantique. Un mariage de deux écoles égales, ambitieuse, dynamique, pour créer une nouvelle école qui soit un peu l'emblème et peut-être le vaisseau amiral un jour de l'Institut Mines-Télécom. Nous demandons de faire une ovation pour votre parrain, le directeur général de STX France, Laurent Castin. De ce diplôme, il faut que vous soyez fiers, mais il faut rester humble. Première exigence qu'il faut avoir, à mon avis, dans votre carrière, et que j'ai toujours eu, c'est de toujours apprendre. Et soyez conscient de ce que vous, de ce que nous pouvons apporter dans ce monde actuel. Et si vous gardez votre intelligence, votre curiosité, vous pourrez toujours faire mieux, vous pourrez toujours avancer, vous serez toujours plus satisfait de ce que vous aurez fait. Bravo, et continuez à être les ambassadeurs de cet esprit d'ingénieur. Merci. Mesdames, messieurs, vous n'avez pas fini d'applaudir. Merci d'accueillir les diplômés de la formation
gestion des opérations en production et logistique, pilotée par Odile Morino. Merci d'accueillir les diplômés de l'option 6.
spécialiste systèmes et technologies associés aux réacteurs nucléaires, épaulé par Christophe Hartnack. Je voudrais remercier ma maman, mon beau-papa, ma copine et mon chat. Merci d'applaudir les diplômés de la formation ingénierie logicielle avec leur responsable Thomas Loudou et Jackie Gauthier, directeur de l'IT2I Pays de la Loire. Supply chains and transport with their leader Thomas Jung. Please give a round of applause to our master's graduate specialized in project management for environmental energy engineering with our guide Yves Ornette. Et soyez les passeurs. Et un dernier mot, on recrute.